100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. Barça, Barça, Barça. 100% Barça, mais c'est un podcast. 35e journée de la Liga ce samedi 7 mai 2022. Le FC Barcelone joue sur le terrain du Betis Séville. Objectif principal, la victoire pour valider définitivement la qualification pour la Ligue des Champions. Le match commence tranquillement avec quelques actions de part et d'autre. Et à la 20e minute, après un corner, Araujo envoie un boulet de canon de la tête que Bravo, le gardien du Betis, arrive à légèrement dévier sur la barre. Bravo, bravo. Et puis, plus grand chose à se mettre sous la dent. Les équipes restent stériles. Il faut attendre la 65e minute pour une réaction du Betis et la 71e minute pour un tir d'Aubameyang au-dessus des cages. Et c'est à la 76e minute, après la rentrée du jeune prodige Blaugrana Ansu Fati, que la situation va se débloquer. Il récupère un centre à la limite de la surface et prend le gardien Bravo à contre-pied. 1-0 pour les hommes de Xavi. Mais 3 minutes plus tard, le Betis réagit avec un coup franc du français Fekir. Et Bartra reprend de la tête pour tromper Ter Stegen. Un partout, le FC Barcelone puni par un de ses anciens joueurs. Ce match nul n'arrange pas les deux équipes. Et elles vont se livrer un peu plus. Mais c'est la saison des vendanges en avance. Et tous les tirs passent à côté des cages. La libération va arriver à la toute dernière seconde de la fin du match. La 94e minute exactement. Alves centre dans la surface. Le ballon arrive sur Alba, lancé. Il ne laisse aucune chance à Bravo. Et catapulte littéralement le ballon sous la barre. 2-1 pour les Blaugrana. Victoire finale du Barça, qui valide son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, avec 60 points. Ils ne peuvent plus être rejoints alors qu'il ne reste que 3 journées. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.